What's up guys, Power Julien, RPZ, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bioshock Infinite. Et je vais pas vous mentir, j'ai galéré comme un porc pour lancer la vidéo. Ouais, c'est pas grave, c'est pas votre problème. Mais vraiment, quand je vous dis galérer comme un porc, c'est galérer comme un porc. Je sais pas, j'arrivais pas à démarrer, enfin, ouais, c'est pas grave. Donc bah c'est parti. Donc on reprend là, au moment où on a épargné le vieux soldat là. Oh, on est là, donc forcément, enfin logiquement j'ai envie de dire, on va réavoir le droit à des ennemis là. What? Au passage, j'ai eu vent de vos indications, surtout celle de Monsieur Funky Juju, hein, qui m'a dit attention. Je ferai de mon mieux pour vous approvisionner en cristaux. Merci. Ouais, il faut mieux pas que je fasse trop de mauvaises actions parce que vu qu'elle connaît pas le monde extérieur, elle va sûrement penser que c'est ça le mieux à faire, quoi. Que c'est normal. Donc je risque d'avoir une mauvaise fin. Parce que ouais, dans ce genre de jeu, le personnage qui vous accompagne, c'est souvent lui qui décide de l'avenir du monde ou d'un truc du genre. Enfin bref. De toute façon, dans les jeux, j'ai toujours eu la mauvaise fin. Et voilà, il s'est fait une bonne pour une fois. Alors, c'est quoi ce bâtard? Putain, le bâtard. Je suis mort. Ouais, donne-moi immune, ça me permet d'être immortel 2 secondes. Cassez-vous! Je vais mourir, je suis mort, c'est fini là, c'est fini. Putain, j'ai pas envie qu'elle me picouse. Non, je vais me faire picouser. Non. Oh mon dieu. Ah. Bouh. Enfin bref, ça a dû faire mal. C'est pas un problème, c'est pas grave. Attendez, c'est quel côté, c'est ça hein. C'est par là. Oui, c'est par là. On va prendre le fusil à pompe parce que là, je suis fâché. Pas content. On va utiliser Electro Quartz hein, sinon. Tiens, bouffe ça. Ah, ça a tué d'un. Vas-y, envoie les cristaux. Merci. Ah, il est mort lui. Bien, petit corbeau. Ah, d'accord, il passe très bien les murs. Ouah, comment c'est puissant, mon gars. Oh, carrément, le mec, ça l'a cramé. Mais c'est. C'est surbusé, si je vois bien que ce qu'a dit Slate vous tracasse. Vous m'avez montré qu'il faut parfois se donner les moyens de survivre. Il y a ceux qui survivent, et ceux qui prennent plaisir à le faire. Booker. Écoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien, mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi, le moins possible. Vous voyez que c'est là que ça commence à se décider de la psychologie de Elizabeth. Non, de toute façon, j'ai eu très court, enfin, les cristaux au max. Pas aller par là. Peut-être que on peut avoir une sortie. Non. C'était par là-bas qu'on doit aller. Mais non, c'est fermé. Merde. On vient d'où là? Il y a sûrement un levier quelque part dans le coin là. Le mec s'est pris un poignard. Je me demande. Oh, regardez. Un crochet. Où ça? Ou un crochet? Mais elle est folle elle. Oh, un crochet, elle voit des crochets de partout. Et pourquoi? Tu peux crocheter ça? Bah vas-y. Ah non, merde. Attendez, peut-être que... Oh, je suis trop intelligent. Attendez, j'ai mis le son du jeu trop fort. Voilà. Quitter l'entre des héros, c'est parti. Oh, j'ai un petit peu oublié qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant. Retour à la place de l'entre des héros. Là, j'imagine qu'on nous attend à 20 millions, tu sais. Booker, lâchez cette arme et cette fille. Et là, tu vas voir le papa. Bim, bim, bouh. Enfin, bref. Je commence à devenir fou. Les jeux vidéo sont dangereux pour la santé. Alors, attends. Dicter, c'est quoi ça? Wow. Qu'est-ce que je viens de faire? Alors lui, je sais pas pourquoi il était avec moi, j'ai pas capté, c'est pas grave, on vit quand même. Attends. Ah d'accord, eux ils font partie d'une organisation de soldats en fait. Genre des soldats fâchés, et ils se battent contre les autres. Ok, et ça c'est la garde. Mais j'avais pas capté, je pensais que c'était la même chose. Ouais. Oh putain, c'est une bonne portée. Hein. Voilà. Merci. A changer d'arme. Oh putain, je suis en train de prendre cher là.
Voilà. Monte ta petite tête, ma jolie. Je sais que t'es une meuf en plus. Je sais ça. Non, ah, en plus c'était un vieux. Oh putain, c'est bien bizarre. Ouais, bref. Allez, on continue. On va aller fouiller. Oh, mais quel clochard celui-là. Attendez, je me grattais l'oreille. Alors attends. Oh merde. Voilà. Putain, j'ai les réflexes Call of Duty, mon gars. Je vise avec L1, du coup, je balance un pouvoir comme un con. Faut viser avec R3, quoi. Allez hop. On peut utiliser le télécabine, j'imagine. Hop. On fait un petit peu. On récupère. Yeah, attendez, elle est bonne skin traite là, moi je la veux. Ah, c'est un lance-roquette, excusez-moi. J'ai une mauvaise digestion. Allez. Non, on peut pas activer le levier là. On dirait pas. Laisse-moi passer. Et. Ah, un voxophone, on va le dire. Vétéran, c'est vous qui avez versé votre sang pour Columbia, perdu un bras, ou que sais-je encore dans cet Orient impie. Comme Stock n'a rien fait, lui. Putain, le mec, c'est un recherché. Et pourtant, regardez. C'était... Quelle image s'impose au-dessus de vous, encore aujourd'hui. À chaque coin de rue, comme une gifle. Si le prophète est prêt à dénaturer à ce point notre passé, quel crime prépare-t-il contre notre avenir? Nous devons prendre position et remplir son antre de la honte de véritables héros. Ok, donc en fait le mec il a fait genre un petit coup d'état. Allez, je m'en fous. Alors, on va fouiller le cadavre. On va récupérer son sniper parce que je préfère au lance-roquette. Et c'est par là qu'il y a quelque chose à faire. Non, on dirait pas parce qu'on peut pas continuer. Ah merde. Bon, tant pis. Ben, on doit aller par où? S'il vous plaît. Bah logiquement on devrait faire demi-tour maintenant qu'on a l'électro-quartz, mais je trouve pas le moyen, c'est ça le problème. On devrait normalement pouvoir réactiver le... Enfin, oula, j'ai failli tomber dans le vide. Le télécabine là. Ça a pas l'air d'avoir trop envie. Attendez. Eh merde. Comment ça se fait? Oula, c'est quoi ce Beans? Il y a un problème. Ah, mais arrête de me suivre, tu me bloques à chaque fois. Attendez. Est-ce qu'on peut s'accrocher à ça? Oula, on dirait pas. Ça me fait peur là. Pas s'accrocher aux rails. Ah, voilà. Hop. Allez, c'est parti. Oh non. Oh fuck. Vite, accroche-toi à la note là. Et bim! On change d'arme. Putain, ils sont 3000, on va se faire tuer. Faut que je m'accroche à la note là. Vite. Allez, vite. Je vais mourir. Accélère. Oh putain, je l'ai échappé belle. Hein. N'empêche, Elisabeth, c'est une warrior. Hein, parce qu'à chaque fois, je la laisse seule comme une vieille merde. On est déjà où j'ai fait des tours là. Jusqu'où je vais là. Oh putain. Oula. Ok, ça va. Pas d'affolement. Et comment je vais faire là? On va s'accrocher là. Allez. Oh. Putain, je sais même pas où je vais. J'ai fait demi-tour. Oh non. Oh bah, accélère. Non, mais t'es sérieux? Ah merde. Bon. Comment je me suis grave fail. Voilà. J'espère que c'est ce truc qu'il fallait faire. Non. On va s'approcher. Ça y est, j'ai compris. Non, par là. Oh le délire. Ok, ça me refait les chargements. Et là, faut sauter ici. Voilà. Et putain, j'ai été en galère. Hein. Oula. Et des ennemis. On va utiliser le... Merde, j'ai relié la truc, oh non. C'est vous qui avez versé votre sang pour Columbia, perdu un bras, ou que sais-je encore dans cet Orient impie. Comme
Comstock n'a rien fait, lui. Et pourtant, regardez, quelle image s'impose au-dessus de vous, encore aujourd'hui. À chaque coin de rue, comme une gifle. Si le prophète est prêt à dénaturer à ce point notre passé, quel crime prépare-t-il contre notre avenir? Nous devons prendre position et remplir son antre de la honte de véritables héros. Putain, vite, envoie-moi le cristaux. Oh, ce mec là en feu, il va pas me faire chier longtemps. Voilà, vu. Elisabeth, toujours pas morte. Morte. Tiens, bim. Et là, attention, no scope. Bon, c'était pas comme si c'était compliqué, mais c'est pas grave. Bah, on va faire comme. Hein, c'est pour ma psychologie. Moi, c'est Booker. Je ferai un effort pour essayer d'y penser. Booker. Booker. Et qu'on arrêtera de se faire tirer dessus. Si ça vous intéresse, j'ai repéré du matériel par là-bas. Ah, t'as repéré du matériel, genre, tu l'as sniffé, bien sûr. Pour nous, ces vérités là. Sont une évidence. Ils sont où, là? Ça tire, mais je les vois pas. Wow. Vol. Ça marche pas. Réjouissez-vous. En même temps, bah, si, attends. Ça marche ça. Des engrenages. Et où tu vois des engrenages, toi? Où est-ce qu'elle voit des engrenages? Et bouffe ça. Des engrenages, où est-ce qu'elle voit ça? Elle voit des engrenages. Ah oui, d'accord, sur les jambes. Voilà. Allez, j'espère que t'as des trucs qui de soin, super. Allez. Ah, moi je suis un fou, je monte sur le sol. Ah non, ça marche pas. Bon, tant pis. Allez, vite, on va utiliser l'électro quartz, hein, parce qu'apparemment il était si important que ça. Allez, monte en ascenseur, la belle. Et c'est parti. T'as plus intérêt à ouvrir tes failles, n'empêche, parce que tu fous la merde à chaque fois. Hein? Coucher. Je comprends pas vraiment comment tu fais ce que tu fais là, ces failles. J'ai toujours imaginé que c'était des portes. Quand j'étais plus jeune, je ne faisais pas que les ouvrir. Je les créais à partir de rien. Tu les créais? Je pouvais me promener partout. Mais j'avais toujours besoin de revenir. Pourquoi? Je sais pas. Pour ma famille, peut-être. Mais comment tu fais ça, exactement? Vous vous souvenez, je vous ai dit que je lisais beaucoup. Eh bien, j'ai essayé de comprendre. J'ai lu des livres sur la physique et ce genre de choses. Ah ouais? Et t'as appris quoi, au juste? Qu'il y a un océan entre ce que nous voyons et la réalité. Ok. Si tu le dis. Patriote motorisé. Non, on va éviter de se créer des ennemis. Ah, c'était pas là qu'il fallait aller, à l'aérodrome. Elle connaît mieux le chemin que moi, de toute façon. Regardez comment elle gambade. Regardez-moi, je suis petit bas là. Enfin, bref, on va activer ça. Électro-quartz, pim. On doit toucher ce truc avec l'électro-quartz. Voilà. La nacelle arrive. Là, mon gars, on dirait qu'on appelle Rob. Il va t'abandonner, ma pauvre Elisabeth. Quand il aura ce qu'il veut, il partira sans toi. Tu t'attendais à quoi de la part d'un menteur et d'un tueur de femmes? Stock. Père, prophète, qui que vous soyez, je m'en vais et vous ne pourrez rien faire pour m'arrêter. Oh, ma chère enfant, comme tu te trompes. C'est pas si son... Attention, des roquettes! Des roquettes? Putain, ils viennent de là? Tiens, mange ça! Merci. Merci beaucoup. Ah, ils sont du bateau là. Enfin de ce truc, j'appelle ça un bateau, mais je suis con moi. Putain! Ils sont où? Oh, je vais me faire tuer là. Putain, mais c'est quoi, c'est un mec de Minecraft ou quoi là-bas? Voilà pour vous. Ah, bah merci. Ça m'aide beaucoup. Putain, je vais me faire défoncer là. Je vois pas de la vie parce que là vraiment je mourrai. Je vais tuer le bâtard là-bas avant de bed. Non, on va se casser, meurs pas Julien, meurs pas. Non. Ouf. Putain, mon bouclier se régène. Raté. Je kiffe ce sniper. Oh non, mais vas-y, le lance-roquette quoi. Oh le cheat. Oh non. Oh la picouse. Heureusement qu'il la montre pas, hein. Alors attends.
Il faudrait que je trouve un moyen de m'accrocher sur ces trucs de merde là-bas. Prendre le pompe, on va essayer de se les faire. Non. Ah non, je l'ai raté. Bouge pas. Oh, bouge pas, je t'ai dit. Ah, voilà. Oula, on va changer. Bim. Oh non, j'entends le piaf. Vous entendez le piaf géant? Oh putain, ils arrivent à 30 000. Oh merde, ils sont trop tués. C'est des fous. Oh putain. Elisabeth, fais quelque chose, tape-les. Ils peuvent pas te buter de toute façon. Il faut vous requinquer. Eh ben on voit. Merci. Oh mon gars. Vite. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe là? Qui c'est qui me tient dessus? Je les vois pas. Attends, merde. Voilà. Envoie. Je les vois plus. Il n'y a pas d'ennemis là. On va essayer d'atterrir dedans. Attends. Vite. On s'accroche. On s'accroche. Yes. Oh, c'était bien joué ça. Par contre, il faut que je descende maintenant. On va prendre le lance-roquette. Oh putain. Tiens, mange ça. Je vais te descendre, bâtard. Oh, je me croirais dans l'île aux pirates. Et, non, je sais plus quoi. La planète des pirates, je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était énorme. C'était un signe que je regardais quand j'étais petit. C'est un film plutôt d'animation. J'ai kiffé. Allez, meurs. On va prendre. Merde, je l'ai laissé où, sniper? Je l'ai devant. C'est déjà plus facile comme ça. Putain, mais. Ah, mais eux, tout à l'heure, ils essaient de m'avoir, mais ils sont trop couillons en fait. Attends. Ah, mais il y a Elisabeth à côté. Bon, je tire quand même. Bon. Raté, c'est génial. Une deuxième. Bim! Elisabeth is immortal. Mange-moi ça! Et ça! Ah merde, je me suis tiré dessus! Quel con! Voilà, ça y est, je l'ai buté! Je fais quoi, moi? Maintenant, vite des cristaux! Tiens, de où il me tire là? Descends! Oh merde! Moi, je l'avais pas eu celui-là! Non! On va essayer de l'amener dans le piège au cas où. On va prendre le bazooka, j'ai plus de mule, merde. Voilà. Oh putain, comment c'était serré les gens quand même. On va tirer sur ces merdes parce que ça me saoule là, ces pièges là. Ça les arrive même pas quoi. Bon, la navette est arrivée, super. Allez hop. Fermé. Elisabeth. Sérieusement? Ce tout petit verrou? Allez-y. Ce tout petit verrou, il est géant, tu sais. De toute façon, c'est toujours les mêmes, hein. Donc, tu fous pas de ma gueule. Allez, hop. Bon, j'ai plus de mine de rien, moi. Je suis un peu dans la merde. Quand vous étiez inconscient sur la plage, vous répétiez le nom d'une femme. Anna. J'ai pas envie de parler de ça. Désolée. C'était indiscret. D'où venez-vous, monsieur DeWitt? New York. Qu'est-ce que vous y faisiez? Un peu la même chose. C'est pas le genre de truc qui fait vraiment joli sur un CV. On peut dire que vous êtes arrivé au bon moment. Comment tu crois que je suis arrivé là? Je jouais. Alors je dois de l'argent à des gens pas vraiment fréquentables. Je suis là pour payer mes dettes. Pourquoi tu crois que je suis venu te libérer? Par pure charité. Qui vous envoie? Quelqu'un prêt à effacer mes dettes pour mettre la main sur toi. Oh putain, fallait pas lui dire ça. Là, je pense qu'elle a pas apprécié. On risque d'avoir une mauvaise fin. Je pense qu'à la fin, elle va nous buter. Elle va pouvoir plutôt prendre. Bah, récupérer sa liberté. Elle va se servir de nous. Putain, merde. Ah, c'était le truc à pas dire, couillonne. Bon.
Il est pas forcément très malin ce Booker. En plus, tu aurais pu te la taper à la fin, mon gars. Tu aurais pu te la taper et après la livrer comme un gros bâtard. Mais non. Faut que tu fasses ton con. Faut que tu lui dises tout. T'aurais pu inventer un beau mensonge. C'est qui ça? Bah, il tire la langue. Bah. C'est quoi ça? Ah non, c'est un. C'est un aigle en fait. Ta gueule, toi. Wow. Je vais vous tuer. Je me mets à couvert. Merde. Ouais, on va. Voilà, calmez. Voilà, non, je suis vénère. Quoi? Ah, oh, j'étais sûr et certain que le mec était mort. Allez, encore une picouse, vas-y, je perds du fric. Voilà, oh là, t'as pu. Bon, faut que je trouve une arme un peu plus réactive que ça, parce que même si j'allais faire des flashcops, ça va pas plus loin après. Hein. Voilà, meurs toi. Lui il est mort. Ah d'accord, il n'y en avait plus que deux, ça va. Hop, on récupère ce qu'ils ont. Voilà. Et on va pouvoir récupérer une mitraillette là. Super. C'est déjà mieux. Attendez, on va fouiller le cadavre d'abord. Voilà, il avait de la boue. C'était con de rater ça. Hop. Oh. Donc il vous appelle le faux berger. Et toi, l'agneau? Je n'aime pas vraiment ces noms. Moi non plus. Comment pouvait-il savoir que vous alliez venir? Soit ils ont un prophète dans leur rang. Ah ah. Soit on doit ces affiches à mes employeurs. Pourquoi? Aucune idée. Ouais, là ça devient chelou, effectivement. Et on va utiliser la console. Quitter la zone, bah ouais. Tu vas bien? Je veux visiter Paris. Je veux tout voir. Tout. Ma foi, ça dépend que de toi. Personne... Hé hey, qu'est-ce que c'est? 40 degrés nord, 74 degrés ouest. C'est pas Paris, c'est New York. Comment tu sais ça? Dans ma tour, je n'ai jamais manqué de temps, monsieur DeWitt. Du temps pour étudier la géographie. J'avais des dettes. Et puis ce type, il m'a proposé de tout effacer si je t'amenais à lui. Allez, c'est. Elle fait la comédie, cette pute. Et en plus, de toute façon, soit elle nous tape, soit on se fait attaquer par le piaf, donc je m'en fous là. Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi, parle-moi, on peut sûrement. Voilà, bah alors là, c'était juste un peu trop évident. Putain. Tout ça pour voir Paris, sale te pue. Bon, en même temps, il joue sa vie, mais. Tu pouvais pas t'y attendre, quoi. Je sais pas, fallait l'attacher là. Putain, ou l'assommer toi. Oh là, mais putain, même moi je savais, lui c'est un soldat et oh là 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 là. Bon, tant pis. Qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on s'est pris une clé dans la gueule? Quai de Finton, je sais pas où c'est ça. Il y a une usine de merde. Oh là 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 là. Si près du but que ça fout les boules. Oh là 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 là. Bon, par contre. J'imagine qu'en plus c'est nous qui sommes ligotés maintenant. What the hell? Sérieux? Oh, en plus, oh, regardez, il n'y a que des blacks. Putain, c'est quoi ce truc de... Oh! C'est qui ça? Oh putain. Il est réveillé. C'est donc toi, ce faux berger, qui fait autant parler de lui. Tu as semé le chaos à la tombola. Daisy Fitzroy? C'est bien moi. J'ai rien contre vous ou votre vox populi, mais vous essayez de me prendre mon dirigeable et j'en ai particulièrement besoin. Ah oui? J'aurais pourtant juré que c'était celui de Comstock. Écoutez, j'ai pas envie de me battre. Tout le monde se bat, DeWitt. La seule question c'est pour qui tu te bats? Comstock est le dieu de l'homme blanc.
de l'homme riche, de l'homme impitoyable. Mais si ta foi va au peuple, rejoins donc la Vox Populi. Si elle va aux causes justes, rejoins je la Vox Populi. Mon dirigeable. La Vox Populi te le rendra. Mais d'abord, tu dois nous aider. Il y a un armurier à Finton qui peut fournir du matériel à notre cause. Va chercher nos armes et nous te rendrons ton dirigeable. Ils sont courts là. Je serais mort 100 000 fois normalement. Je ferais mieux de trouver Elisabeth avant qu'elle file d'ici. Regarde, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait ces bâtards là? Et on a vu un protecteur là, mais je sais pas ce qui s'est passé d'un coup on s'est retrouvé ici. C'est d'où qu'on vient? Enfin bref, on va continuer, là ça devient plus intéressant. Attends, mon gars, c'est... ça craint ici. Okay. Tiens, du cristaux. Enfin, des cristaux. Une orange pour la santé. Par contre, je vois pas où il faut que j'aille là. Continuez par ici. Oui, c'est un garde. Bonjour, j'ai une grosse maîtresse. Il ne me pose même pas de questions. Oh la gueule que t'as, mon gars. Là. Ah. Ah, mais mec, il se pose pas de questions. J'arrive avec une grosse mitraillette. Ouais, ce mec est chelou, mais. On appelle des renforts? Non, c'est bon. Laisse-le tranquille, mec. Edward Taylor, dit Teddy, un homme blanc âgé de 17 ans, accusé. Bah attends, c'est volé ça. Donc, voir l'équipement. Équipé. Oh merde! C'était bien du vol! Ah, mais d'où je sais que c'était du vol, moi? Merde! Oh non, oh non. Bon, les gens, je suis vraiment désolé. J'avais pas compris que c'était du vol. Je m'excuse. Désolé, je vous le rends si vous voulez. Oh fuck. Eh merde. Eh mec, vous voyez pas que j'ai une mitraillette? Arrêtez de venir quoi. Vous avez plein de vie en plus. Vous êtes boosté ou quoi? Toi tu te dégages, tu m'as saoulé. Voilà. Bon, ils voulaient putain de faire un truc sur eux par contre. Bon, c'est pas grave, on va faire genre. Bon, Elisabeth était pas là, elle nous a pas vu. Non! Putain, voilà, je me crée toujours des problèmes. Putain. Arrête de te fermer, porte là. Voilà. Bon, toi, tu dégages. Voilà. Allez. Non. Non. Oh là là, je suis fini, je suis fini. Putain, mais pourquoi il y a autant de monde d'un coup là? Il y avait que 3 gardes. Regarde-moi ce patriote à la con là. Juste, car mon œil est celui du fond. Je suis mort là. Même pas? Ouais, je vais mourir. Dans tous les cas, c'est fini pour moi. Putain! Oui, j'ai volé l'équipement et alors? Bon, merde. On va se retrouver devant la porte. Voilà, parce que du coup, il n'y a plus Elisabeth. On n'a plus le droit à la picouse. Et je spawn où là? J'espère que les mecs ils m'en veulent plus parce que là ça m'a saoulé. On va activer le voxophone. Samuel a toujours cru que le sermon du dimanche allait de pair avec le travail du lundi. La science, c'est la lente révélation du dessein divin. Après 2 années passées dans la tour de l'agneau sur Monument Island, il a développé un cancer de l'estomac. J'ai prié le prophète. Et le prophète nous a offert un miracle par le biais de Fink, son serviteur. Je ne sais pas si je m'habituerai jamais à voir mon mari encastré dans un squelette en métal. Mais je préfère de loin avoir à mes côtés un handyman plutôt qu'un homme mort. Oh putain, handyman, c'est ça les protecteurs, mon gars.
Oh là 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 là, merde. Par contre, il y a un peu trop d'ennemis à mon goût là. Voilà. Bon, c'est fini un peu là, toute cette merde. Il y a encore de la musique, c'est dire qu'il y a encore des connards là. Quoi? On m'a arrêté pourquoi là? Une dernière déclaration. Putain, mais les mecs ils font tout ça pour un équipement quoi. Ce cam, je l'aurais rendu ta merde à la Skyrim, genre. Voilà, tu m'as fait faire un génocide pour ça quoi. Par contre, je sais toujours pas où il faut que j'aille moi. Je dis ça. Ils m'ont dit va à l'armurier, machin, machin, machin. Et il est où ton armurier? Ah, par là, j'imagine. Bon, par contre, on s'est fait spotted par tout le monde donc. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas déjà des affiches de recherche à la Assassin's Creed. Moi, c'est Lyon. Il y a des pièges d'électro-quartz là. Attends, on va essayer de passer comme ça. Alors, c'est quoi ça? C'est juste des cristaux. Oui, je me sers. Hein. Hop, voilà. Et ça s'ouvre. Ah non, faut forcer la porte, d'accord. Dégage de là, petite. C'est ce qu'on fait aux clandestines comme toi. Ouais, bah tiens, elle est là. Tu le saches. Hey, attends une seconde. Bah, laisse, je vais la voir. Hein. Je vais t'électrocuter, ma belle. Fais attention. Oh non. Comme par hasard, c'est moi qui me bouffe ce truc. Vous pouvez pas faire genre une méga glissade? Je veux juste te parler. Laissez-moi, j'ai dit. Oh non, elle va ouvrir une faille. Fais pas ça. Fais pas la dégoût. Oh putain. Elisabeth. Vite. Laissez-moi. Attends-moi une minute. Tranquille. Je suis pas en colère. Attention. C'est moi passer. Allez. Putain, elle ouvre des failles de partout. C'est non. Putain. Je refuse de vous suivre. N'entre pas là. Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme non. Moi. Non. Laissez-moi. Oh non. Merde. Comment je fais moi maintenant? Il doit y avoir une autre entrée. Par là, vite. Putain, elle a ouvert une faille en plus de 2 mm quoi. C'était juste derrière le mur. Enfin normalement. Vite. Putain, elle pouvait pas le faire ça, mais pour partir à Paris au lieu de me faire chier. Voilà, bouffe. Bande de bâtards, vous allez voir ce que je vais vous faire. La porte, hop. Ah. J'ai plus de mine. Oh, tu te calmes, toi. Putain, mais je vais faire un piège, moi. Voilà, ils sont morts. Et si les fouiller une banane, ça me rend de la vie, super, c'est génial. Oh putain, je me fais... Voilà. Oh putain, c'est vraiment. Wow, c'est serré. Voilà. Oh putain. Ah. Eh merde. Bon, Elisabeth est toujours pas à mes côtés, donc forcément... Encore la porte. Oh, je me fais défoncer, heureusement qu'il me donne des mines en même temps. Il y a encore des ennemis là. Meurs. Voilà. Est-ce qu'on peut détruire? Je vais essayer de détruire le... Non. Attendez, comment on fait pour changer de pouvoir? Objectif, pouvoir. Non. Moi j'aimerais m'équiper de possession. Je peux pas m'en équiper. Comment je fais pour équiper un truc? Merde. Oh putain, je vais me faire arracher la tête. Oh putain. Allez, là il y a des trucs. Ah fuck, je vais faire que mourir. Oh là là. Les mecs, ça craint. Je finis ce passage et on se quittera là.
Allez. Putain, il y a des ennemis de partout, c'est ouf. Putain, mais la vie qu'elle a, cette tourelle. Et en plus, avec moi qui vise comme une merde, hop, dans la boîte, voilà. Vite. Il est où le dernier? Voilà, c'est le duel. Il est où? Oh, c'est des pauvres mecs. Je vais vous graisser les rouages. Mais il est où? Il y a encore un ennemi, mais je le vois pas. Oh là. C'est la mort à coup sûr. Il est où? Baudel. Vous êtes une chiffre molle. Bah c'est toi qui viens pas, connard. On va faire ça, peut-être qu'il est en haut. Voilà, il est là. Voilà. Toujours pas mort. Allez, vole. Oh, je vais te regarder mourir comme une vieille merde. Ah non. Voilà, là ça va être drôle. Toujours pas mort toi. Voilà. Alors elle dit où Elisabeth maintenant? C'est quoi ça? Lance-grenade? Allez. Soyons fous. Bon, faut trouver Elisabeth maintenant. Hop. Voilà. Doit être dans le coin. Alors on a quoi ici? Des prisonniers. Ou des taulards. Et une porte. C'est parti, on la force. Non, on l'ouvre. Celle-là on l'ouvre. Hein. On sait pas pourquoi. Non, il la force là, je suis désolé. Oh non, putain, elle se barre. Yeah. Elisabeth, attends. On fait la petite course poursuite. Descends. Allez. Vite. Oh le bâtard. Ça va lâcher, ça va lâcher. Oh le bâtard. Oh putain non. Oh, elle nous a sauvés. Pourquoi elle nous a sauvés? Hé, hey, hé, hey, je vais lâcher. N'essayez surtout pas de me suivre, monsieur DeWitt. Elisabeth, je me suis débrouillé pour qu'on nous rende le dirigeable. Vous pouvez nous faire partir. Exact. Tout ce qu'il me faut, ce sont des armes pour toute une armée de révoltés. Et où trouverez-vous toutes ces armes? Auprès de l'un de nos innombrables alliés? Un armurier de Finkton. Ça devrait être les doigts dans le nez. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me suis? Vous êtes un menteur, monsieur DeWitt. Et un voyou. Mais si je veux voir Paris, je n'ai pas d'autre choix. Oh.